Minasan, konnichiwa, kenka no atarashi episodo he yokoso. Kyo wa Alice in Borderland episodo 7, season 1 de hanasu. Shiteru? Watashi no chisai nihongo de baka ni suru. Demo, mina wa zenzen wakanai no de, mina wa jimaku wo shinakereba ikenai. Louis-san wa Louis no dake janai no YouTube de nihongo de hanasu. Ima, oishi ichigo taruto wo tsukuru koto wo setsumei suru. Mazu wa shinzen ichigo to amai hoipu kurimu ga itsuyo da. Te ni amai hoipu kurimu wo nuru to ichigo de kazaru. Dozo, taruto ga dekita, tabete kudasai. Si comme moi vous êtes fan de manga et que vous avez Netflix, vous voyez sûrement passer des adaptations de manga en live action. Récemment, j'ai découvert Alice in Borderland. Sans trop spoiler, c'est l'histoire d'un jeune branleur doué pour les casse-têtes qui se retrouve projeté dans un monde parallèle où les gens sont forcés de jouer à des jeux mortels pour survivre. Au début, je m'attendais à une petite série thriller psychologique, mais c'était avant de voir ça. Le dropkick de ces morts! Et on se retrouve finalement avec l'espoir de voir une série avec des bastons de qualité. Là où on en est, il faut vous présenter deux personnages tels qu'ils le sont dans la série. Donc très rapidement, on a The Last Boss. Et rien qu'avec son look, son attitude, difficile de dire que c'est autre chose qu'un méchant. Il y a bien quelques différences avec le manga, mais on y reviendra plus tard. De l'autre côté du ring, on a Kuina. Assignée homme à sa naissance, elle réussit à vivre pleinement son identité de femme. Et avec une histoire assez attachante, on capte direct que c'est la good girl. On se retrouve donc dans un combat asymétrique. D'un côté, on a un personnage qui a appris à se battre depuis sa jeunesse, et de l'autre, on a un personnage qui ne se sert d'un sabre que depuis très récemment et qui n'en a jamais appris le maniement. Quelque part, on peut se demander comment est-ce qu'on adapte un combat du manga à la réalité. On a des positions de base, des mouvements, mais on n'a pas le déroulement du combat exact. Et au final, des techniques ou des coups qui vont rendre bien dans le manga ne vont pas forcément rendre bien en réalité. On a un travail très différent de la chorégraphie du combat et des choix à faire. On peut choisir de se tenir au manga quitte à faire des clichés ou du burlesque, ou bien réadapter complètement le combat pour le rendre plus réaliste. Le combat est chorégraphié par Yuji Shimomura, à la fois chorégraphe de combat, réalisateur et scénariste. Un peu la version japonaise de ce que je veux devenir. À regarder son CV, on voit que c'est pas Joel rigolo. Le mec a bossé sur Bayonetta, Devil May Cry 3 et 4, sur plusieurs films, et de ce que je vois, c'est propre. Le mec touche sa bille, mais il a vraiment un kiff sur les combats où les gars ne savent pas manier d'épée. Bon, fin des explications, début du fight. Hachi ! La première chose qui frappe dans ce combat... La première chose qui frappe dans ce combat, c'est l'esthétique. Ça claque. Avec 7 minutes, on pourrait penser que le combat est un peu long, si on devait le regarder d'une traite. Ce que j'ai fait. Mais comme il s'alterne avec l'histoire principale et des flashbacks sur la vie des personnages, notamment celui de Kuina qui est touchant, ça permet de faire passer le combat plus facilement. Le seul défaut, c'est qu'on coupe la scène à plusieurs reprises, et que ça fait baisser en pression et en intensité. C'est un peu comme si je commençais un enchaînement, et que je coupais, pour faire une intervention, et revenir, et ainsi de suite, etc, etc, etc. Ce qui fait la beauté de l'image, c'est la scénographie qui est magnifique, avec quelques pauses qui laissent apprécier l'image, et aussi le très bon jeu des comédiens. On n'en parle pas souvent, mais les réactions au coup, les positions, les jeux de regard entre les personnages, c'est ce qui donne de l'intensité au combat. Je peux avoir les coups les plus propres possibles, ou les plus belles actions, si mon regard et mon corps ne transmettent pas d'intention, le combat ne passera pas. On rajoute à ça des super ralentis et des passages qui rappellent le manga, et on passe un bon moment. Sauf pour les épileptiques. RIP. En parlant du manga, c'est assez intéressant. En plus du travail avec le réalisateur, le chorégraphe de combat doit travailler avec ce que lui donne le manga. Donc autant on a une base, un début, une fin, mais c'est au chorégraphe de choisir s'il va respecter ou non les mouvements que lui impose le dessin. Des fois, c'est respecté. On retrouve des idées, des intentions, tout au long des scènes, dans les poses et dans les gardes. Mais ici, le traitement de The Last Boss est assez particulier. Dans le manga, on a un personnage psychopathe qui a appris à manipuler son arme.
Position du corps et des mains ainsi que les techniques, ça a l'air d'aller. Mais comme on va le voir dans la série, on est toujours sur un psychopathe, mais il sait pas manier son arme. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Et ça, non. Mais c'est un choix qui a été fait. Concernant Kuina, elle est restée comme dans le manga. Position, technique, maîtrise, intention, tout y est. Au final, le combat est bien rythmé. Avec les moments de forte intensité et de pression alternés avec des moments d'accalmie, on peut vraiment apprécier l'image et les poses. Le tout associé avec des ralentis et des changements de plan judicieux, on se retrouve avec un combat assez lisible. Et même les belles actions ne sont pas cutées. On peut aussi apprécier des très beaux coups ralentis. Bon, on a compris, on a un combat qui flatte l'œil. Mais niveau martial, ça donne quoi? Déjà, par rapport à Game of Thrones, on comprend un peu mieux comment il se déplace. Et mis à part les distances du sabreur qui sont mauvaises, Kuina semble bien gérer ses distances. On voit bien distance d'observation, d'engagement, etc. Et ça, ça rend l'affrontement plus logique. Parce qu'en temps normal, Kuina, elle aurait aucune chance. Mais étant donné qu'elle fait très attention aux distances et qu'elle maîtrise les arts martiaux, ça ne peut qu'augmenter ses chances de survie. Le plus important dans ce combat pour Kuina, c'est de réussir à briser la distance. Et des fois, on se demande par quel miracle elle y arrive. Les techniques de combat de Kuina sont plutôt intéressantes, et les techniques de sabre, on n'en parlera pas parce que... Bah... Il n'y en a pas. Et si on veut vraiment parler de techniques de sabre, ça va surtout être des bokata. Ou alors des vraies techniques martiales. Et pas juste des chouch. Bon réflexe. On se bat pas en tongs ou en talons. Le mieux c'est d'être le plus à l'aise possible, le plus confortable. Par contre, on n'est pas dans Dead or Alive. Donc se battre en maillot de bain, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Et lâche ton putain de téléphone. Putain de génération toujours accrochée à son téléphone. Pas si con les petits sauts, parce que dans pas mal de techniques au katana, on en voit. Ça fait partie des techniques de déplacement et des jeux de jambes qui peuvent influencer la puissance ou la vitesse d'un coup, et ça fait plaisir d'en voir. Bonne utilisation des décors. Mais au vu de la qualité tranchante du katana, le bouclier table basse, c'est pas le meilleur choix. En ce qui concerne les coups de poing et les coups de pied, j'ai pas grand chose à dire. Ils sont nickels, comme la plupart des coups sans les armes en fait. Au final, quand on découvre le flashback, on comprend mieux. Kuina a l'air de maîtriser une forme de karaté bien vénère. Il en existe tout un tas. Et vu la violence des coups, je dirais qu'on est sur du Kyokushin ou du Goju-Ryu. On est sur des coups rapides et violents. Très bien sur les jeux et les réactions des comédiens. Et la maîtrise de chaque personnage fait vraiment ressortir la réalité de ce genre de coups. Avec une bonne logique dans les techniques en fonction des différents niveaux de maîtrise, du maître à l'élève. On revient dans le présent, et pas mal. Il profite du fait qu'ils soient en sécurité pour mettre la pression. Ce genre de petite provocation, ça permet d'énerver ou de distraire, et c'est pas négligeable. Pousser à bout son adversaire pour qu'il s'énerve et fasse une erreur, c'est une bonne stratégie. Bien! On brise la distance, on désarme, et on reprend l'avantage. Par contre, on va apprendre à faire des étranglements. Bon coup de coude, bel enchaînement. Mais avant de se retourner, il faut prendre ses distances. C'est cette distance qui lui permet de balancer un putain de coup de pied retourné bien vénère. Oui! Ça c'est de la stratégie. Analyser son environnement et l'utiliser. Voilà, c'est comme ça un vrai fight quand tu gardes ton sang-froid. Donc jamais en fait. Pieds nus plus tesson de verre, ça va pas l'aider. Et j'ai mal juste en regardant ça. Mais belle garde, elle fait honneur à John McClane. Par contre, il s'est vraiment pas visé. Quand ton ennemi est immobilisé et sans défense, ne cherche pas le coup qu'il peut esquiver. Va chercher les jambes et pas une estope de merde. Bref, on compense avec un enchaînement génial. Un joli désarmement, un coup de coude pour désorienter, un coup de pied circulaire pour mettre au sol, et un finish. Boum! Bon, fin des éloges, on passe au maniement des armes. Même le premier connard venu sait comment tenir un katana. Un katana, ça se manipule comme ça. La main forte près de la garde pour pouvoir donner de la puissance, et l'autre main plus éloignée pour diriger la lame. Mais bon, c'est la difficulté de passer du manga au réel. Et ça donne l'impression que le mec est vraiment débile. Déjà, un katana, tu le tiens pas à une main. Sauf au moment de dégainer, à la limite, et vraiment, tu peux attaquer à une main sans passer pour un débile.
Et à aucun moment, il tient son katana à une main dans le manga. Alors pourquoi? Bon, déjà, il manipule une arme à deux mains avec une main. Ça lui fait perdre en maniabilité et en force de frappe. Ok, il gagne de la longe, mais c'est quoi l'intérêt? La personne en face n'a pas d'arme et est littéralement à poil. Quoi? Pourquoi t'es débile? Tu t'en branles de la longe? T'as un katana et elle a rien! Il fait quoi là? Elle a même pas besoin d'esquiver! On n'attaque pas l'air, vise-la! Et il fait n'importe quoi. Pied, tête, pied, tête. Ok, c'est cool quand ton arme est faite pour les stocks, genre une lance, pas un katana. Et ça, c'est pas les plus grosses conneries qu'on a vues. Quand on veut montrer un coup en gros plan et statique, le minimum, c'est qu'il soit bien fait. S'ils avaient peur de pas pouvoir enchaîner le combat si elle verrouillait son étranglement, il fallait pas le faire. Ouvre les yeux, bordel! Et toi, réagis plus vite! 30 secondes, elle ferme les yeux pendant 30 putains de secondes! Ouais, ça va, 30 secondes, c'est pas long! Vous allez voir 30 secondes si c'est pas long. Ok, je vais fermer les yeux pendant 30 secondes, et on va voir si c'est rien. A few moments later. Putain, je me suis encore fait voler mes fringues. Bon. Qu'est-ce qui fait que ce combat fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'il fonctionne pas? À peu de choses près, on est sur un sans-faute. Visuellement, ça envoie du lourd, bien plus que dans le manga. Il y a une vraie recherche des techniques, et l'écriture du combat est cohérente malgré le gros déséquilibre. Là où ça me gêne, c'est le traitement qui est accordé à Last Boss qui va venir péter la chorégraphie avec des moves inutiles ou juste mauvais. Alors qu'en même temps, il y a une bonne utilisation des décors, mais c'est vraiment Kuina qui va venir rehausser le niveau. Au final, c'est pas un bon combat, mais c'est une très belle scène de combat. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour m'aider à m'améliorer. A bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, gardez une épée près de l'oreiller, on sait jamais, ça peut toujours servir.